Salut la communauté! Alors aujourd'hui, je planifie ma prochaine semaine dans mon planificateur réseaux sociaux de comme tu veux, quand tu veux. Le voici, mon magnifique. Et une de vous m'a mis au défi, ou en tout cas ça m'a rappelé que je faisais ça avant, donc de ne pas vraiment utiliser les autocollants, de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire les étampes. Et comme c'est la semaine de la Saint-Valentin et que j'assume complètement mon côté cute et kitten, j'ai choisi des couleurs qui vont avec la fleur que j'ai déjà mise sur ma feuille. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Juste vous dire un peu la technique que j'utilise. J'ai décidé de faire ça un petit peu brouillon. Donc, j'ai mis un peu d'eau. En fait, j'ai étampé mon encre directement sur mon bloc d'acrylique. Après ça, j'ai mis un peu d'eau
Ça peut être avec un pinceau réservoir à eau. Vous pouvez juste mettre de l'eau un petit peu avec un autre pinceau ordinaire. Et j'en mets un peu d'eau. Et si je mets un peu d'eau, la couleur va être plus opaque, mais plus pigmentée. Et quand je rajoute beaucoup d'eau, la couleur se dilue un peu plus. Donc, dépendant de ce que vous avez en tête là, pour votre couleur, comme là ici, c'est un peu plus pigmenté pour mes cœurs. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au final, puis il me reste le rose à faire. Mais comme il me restait beaucoup de rancre, j'ai décidé de mettre beaucoup d'eau, puis je vais mettre de la couleur dans mes cellulaires. Mais je ne veux pas que ce soit comme trop voyant. Donc, je vais simplement utiliser... C'est comme ça, c'était tantôt, quand il y avait moins d'eau. Là, c'est avec beaucoup d'eau. Donc, je vais voir. C'est la première fois que j'utilise aussi cette technique aquarelle avec quand même beaucoup d'eau. Sur le papier, comme tu veux, quand tu veux. Donc, c'est le fun, ça va nous permettre de tester le produit pour ça. Il faut faire attention, comme je viens de le remarquer, si on met trop d'eau sur l'encre noire du téléphone, ça peut l'étendre un petit peu. Donc, il faut faire attention à cela. Bien sûr, si on veut mettre un peu plus de couleur, il faut aller rechercher un peu d'encre.
Alors, voici ce que ça donne. Ça donne vraiment Saint-Valentin. Je trouve pas ça laid. Remarque sur le papier. Donc, c'est vraiment bon comme épaisseur de papier pour faire ce genre d'aquarelle-là. Honnêtement, je trouve pas que ça gondole tant que ça, ni que ça gondole bien même plus qu'avec le chaque-jour compte. C'est sûr que tu sais, j'ai quand même mis de l'eau là. Puis je suis persuadée qu'en le mettant, en le fermant un petit peu, ça va être parfait. Donc ça m'inquiète pas du tout et c'est vraiment une bonne qualité pour faire ce genre d'aquarelle-là. J'ai abusé des cœurs, j'ai abusé du rose et du rouge. J'aime pas ça ici. C'est pas beau les ronds, puis c'est trop rose, ça. Mais c'est pas grave. Le reste est vraiment chouette, je trouve. Donc je suis très contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça fait du bien peut-être de changer d'avec les autocollants. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles publications. J'ai aussi une page Facebook maintenant pour Plan with Joy. Donc, si vous voulez aussi avoir accès à mes vieilles photos d'anciens planificateurs ou des planificateurs des semaines précédentes. Et aussi, j'annoncerai aussi mes nouveaux vidéos sur cette plateforme-là. Et aussi, j'ai aussi une boutique Etsy, si jamais vous ne la connaissez pas. Le lien est juste en bas. Et je vends des poses autocollants, comme entre autres la collection de ces belles fleurs rouges cerises-là. Alors, je vous dis à très bientôt, en espérant que ça vous ait plu. Salut la communauté!